Je prends ma plume pour mes doudous, mes rondoudous qui ont le cœur gros. J'ai des formes même si je dégomme, c'est pour mes sœurs, loin de vos folles qu'on a blessé ou délaissé. Si on tombe, pas grave, mes rondeurs amortissent la chute. De toute façon, la vie est une lutte. Je me balade, sourire aux lèvres, même quand la vie est dure. Petite rondou. Tel que tu es présenté là, du haut de tes 17 ans, tu es une personne unique, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas possibilité d'avoir une copie de toi-même. Tu es l'original. Même si on prenait une cellule de toi-même pour reproduire, si l'être humain peut faire ça, je ne sais pas si un jour ils arriveront pas, pour reproduire une autre Sophie de toi, elle ne sera pas identique à celle que je vois là devant moi. Je vois une magnifique jeune fille, mais je dis bien une magnifique jeune fille, avec des yeux marrons absolument sublimes, un super sourire. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, on veut toujours avoir ce que les autres possèdent. Mais tu ne sais pas ce que la personne qui a cette chose-là, ce qu'elle a fait pour l'avoir. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Oui. Toi, tu as tous tes membres, tout est parfait chez toi. Tout. Tout est, je ne sais pas, peut-être t'as une queue quelque part. Non, non. La pluie est bonne pour l'esprit. La porte. Enchanté également. Donc tu es le compositeur. C'est ça. Plus ou moins expliqué. Plus ou moins, mais j'avais le oui. Tu vois la vie, tu vois parce que. Et là, de voir un gala, en fait, qui est quand même un événement beaucoup plus conséquent qu'une petite scène, hein, ça va être un gala, donc c'est une sacrée organisation. J'ai vu les filles qui défilent, qui sont en train de construire un défilé. Je peux peut-être pas appeler ça chorégraphie, on va dire un défilé. Et voilà, et donc nous, donc Nat Bamba, Extatique, on intègre le projet pour pouvoir apporter nos compétences, nous, niveau musique. Hein. Moi, je danse pas, je peux pas te défiler. Et on va essayer d'apporter justement des musiques qui vont, sur lesquelles elles vont pouvoir défiler. Alors, il y aura d'autres artistes, hein, on n'est pas les seuls. Et du coup, c'était vraiment intéressant de les voir, parce que c'est vrai qu'en les voyant, on se rend compte... ça me donne des idées déjà pour commencer à écrire, et puis ça nous donne des idées au niveau musical pour voir la manière dont elle défile, tu vois, un petit peu au niveau du rythme, des choses comme ça. Donc non, c'était bien, c'était nécessaire, je pense, de venir voir. Ça va être c'était une belle rencontre, ouais, donc avec Karine, avec toute l'équipe. Ouais, une belle équipe, alors super motivée, on voit qu'elles mettent du cœur dans ce qu'elles font. Et ça, c'est cool. En plus, nous, ça correspond bien à notre état d'esprit, parce que nous, on est pareil. Quand on fait quelque chose, on le fait jusqu'au bout et on s'investit. Et du coup, non, c'était super. Puis tu sais, de voir des filles défiler sur ta musique, tout ça, te dire qu'elles vont défiler sur une musique. Cette musique qu'on va faire, ça va être... c'est un challenge. C'est encore un nouveau challenge. C'est une autre étape, tu vois. De se dire, là, on ne fait plus seulement de la musique pour un auditeur, mais on va faire de la musique pour quelqu'un qui va la mettre en mouvement avec son corps au niveau corporel, tu vois. Niveau positif, on apprend à se mettre à s'accepter soi-même et notre image, en fait. Date de remise en question. Mais c'était quand même finalement, c'était quand même un plaisir, franchement. On a envie de ressembler à Béatrice Boss. Au début, c'était difficile, mais après, on s'est amélioré. Elle est belle, en plus, elle a plein de prestance, d'élégance, comme. Ouais. Là, vous êtes gâtés maintenant, vous avez elle comme mentor. Et... Même si elle crie, ouais. C'est un bon mentor. Bah ouais. Vous avez... Voilà. Alors le clip, c'est avec Saphir Sphère. Donc vous avez hâte là de tourner avec Saphir Sphère là. Ouais. Vous avez vu ces clips? Vous avez vu ces clips un petit peu matriarche, etc. Oui, un petit peu. Ouais, voilà. Donc préparez-vous aussi, il y aura le making of, hein. Je vais pas vous lâcher. Hein. Non. Pas comme ça. Voilà.
Donc voilà, bah, je vous remercie et surtout continuez bien. Une journée enrichissante et pleine d'émotions. Vraiment, en tous les cas, ce qui me concerne, j'ai eu le plaisir de rencontrer les jeunes filles qui participent à cette seconde édition de Carrie, qui se passe sur Lyon. Et beaucoup d'émotions, beaucoup de partage d'émotions, et je suis très très contente, vraiment. Sachant qu'elles sont, elles sont attentives, elles veulent donner le meilleur d'elles-mêmes, et il y a ça effectivement qui a un objectif à atteindre, et surtout un but commun, non pas un individuel, mais commun. Ce n'est pas juste un projet d'une personne, mais un projet que nous faisons ensemble. Vraiment Karine qui s'implique énormément. Comme je vous dis, vraiment, je ne pouvais pas espérer mieux. Je suis à Paris, elle est là à Lyon. C'est elle qui mène la barque. Voilà. Moi, je ne suis là que en visite. Ouais. Voilà. T'étais venue en septembre, non, je crois. Oui, j'étais. Non, c'était En février. Ouais, en février, ouais, t'étais venue en février. C'est ça. Et là, t'es venue aujourd'hui, enfin ce week-end. Et là, qu'est-ce que tu constates du travail qui a été fait aujourd'hui? C'est un énorme travail qui a été fait. Karine, elle, pour elle-même avoir participé lors de la première sur Paris, elle voit, elle se rend compte du travail qu'il y a à faire. Travail auprès des filles, management justement de la coordination des filles, auprès des partenaires, auprès des sponsors. Enfin, il y a un énorme travail en temps, disponibilité, en heure de sommeil manqué, n'est-ce pas? Pour l'avoir vu aussi, je veux dire, elle se rend compte effectivement de l'implication que ça représente et surtout notamment de pouvoir manager continue. Des personnalités, des caractères totalement différentes. On l'a vu aujourd'hui encore plus. Et non, je suis très très contente. Ouais. Karine aujourd'hui, qui est la tête pensante de ce projet à Lyon, je suis peut-être l'instigatrice, on va dire, de Karine, mais c'est elle la boss. C'est elle qu'il faut ouais. féliciter, c'est elle qui va emmener ce projet. Ouais. Karine, elle aura le droit à un gros interview. Hein, voilà. Ah oui, non, tu as fait des négociants et tout. Je t'en prie, il faut vraiment lui donner sa place parce qu'elle a une place prépondérante. Comme j'ai dit si bien, il est important que chaque personne se réalise. Chaque personne a un don particulier, quelconque, quoi que ce soit, et qu'elle se réalise. Voilà. Moi personnellement, je réalise mes souhaits, mes rêves à chaque instant. Et ça, c'est moi. Maintenant, voilà, si j'ai pu lui offrir ou lui donner cette opportunité. De pouvoir, parce que c'est pas son premier événement en plus, je sais qu'elle a créé un grand événement sur Rieux en 3 mois de foot, ouais. qui a remporté effectivement énormément de succès. Donc Karine, c'est aussi un challenge pour elle. Donc, ben... c'est peut-être pas le même domaine, le foot et la mode, n'est-ce pas, mais ça y contribue. Ouais. Des princesses. Elle doudou en caisse et bombe le torse. Elle est courageuse et fonce. Quand elle brille, elle clame sa force. Nous on veut pas de farce. On se balade et se faufile. Pour toutes les filles, si on veut même, on se dandine. Que du réel, bon, ça va. Pas le temps. Ça va. On est devant la esprit. C'est moi qui va te poser la question. La fouine. Il manque tout le monde. Continuez bien. Voilà. Qu'est-ce qui nous vexe? On est là, excellente, sans excès de zèle. Je prends ma plume pour mes doudous, mes ronds doudous.